Salut tout le monde, ici Valonix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir 4 nouveaux maillots dans Roblox. Donc c'est des vêtements superposés que vous pouvez obtenir dans Roblox. Mais juste avant qu'on passe à la vidéo, je vais demander à ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo et donc la passion à la vidéo. Alors tout d'abord, il faut rentrer dans le jeu de Puma et le pays des jeux. Et donc le lien pour le jeu va être dans la description si vous voulez rentrer. Et en fait, dès que vous êtes dans le jeu, vous allez voir qu'il y a ce grand panneau qui vous montre comment avoir tous les maillots. Donc pour celle-là, il faut gagner une partie. Pour celle-là, il faut gagner 3 parties. Pour celle-là, il faut marquer un but. Et pour celle-là, il faut marquer 3 buts. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais juste monter ici avec l'ascenseur de mini-jeu, où c'est plutôt un trampoline. Et il faut juste rentrer dans la balle. Ensuite, on va se faire téléporter dans un autre jeu pour jouer le mini-jeu. Et donc, puisque je suis seul, je vais le faire moi-même. Donc ça va être très très facile. Et donc, je vais marquer 3 buts. Et on va gagner très très facilement parce qu'il n'y a pas d'adversaire pour jeter la balle dans notre cage. Et donc voilà, je vais juste marquer un but et c'est si facile. Donc voilà, vous pouvez juste faire comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai marqué un but, donc ça m'a donné un badge. Et maintenant, je vais encore marquer 2 autres buts pour avoir mon deuxième maillot. Mais maintenant, comme vous pouvez voir, il y a aussi un genre de mannequin qui va nous déranger. Mais bon, ça va être très facile. Et donc finalement, je vais marquer ma troisième but. Et donc là, on va recevoir notre deuxième maillot. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'ai aussi reçu le badge pour ça, donc là je peux juste simplement attendre pendant une minute et je vais gagner ce match et ça va me donner le badge. Et donc là, comme vous pouvez voir, il y a le jeu qui s'est terminé et j'ai reçu le badge pour avoir gagné un match. Et donc là, je vais encore refaire 2 matchs pour avoir le dernier badge qui nous demande de gagner 3 matchs. Et donc voilà, je termine ma troisième match et maintenant je vais avoir le badge pour ma quatrième maillot. Et donc voilà, c'est comme ça que vous obtenez les 4 maillots. Donc voilà, c'était tout ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, alors n'oubliez pas de lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et aussi, n'hésitez pas de vous rejoindre à mon serveur Discord qui sera dans les commentaires épinglés. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la prochaine.